C'est tout le monde, les amis, c'est Larwenik. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Diablo 3 en compagnie de Dr. L. Salut tout le monde! Et donc, on va vous laisser pour la petite scène d'intro qu'on va écouter avec vous. La justice tombera sur le monde des âmes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Ça va, mon enfant? Ce n'est rien, oncle Descartes. C'était juste un cauchemar. Rentrons à la maison maintenant. Mais il me reste tant de travail. Si ces traductions sont correctes, les forces des enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. C'est bien fait, Sinati. Torel, toi, tu l'as déjà fait le jeu? Ouais. Donc, j'ai déjà fini deux fois. Ah ouais. Mode normal et mode difficile. Sur PC? Ouais. Ok. Donc comme ça, il pourra nous dire plusieurs choses. Alors, on va créer un héros. Alors, je sais pas quoi prendre. Alors, on a Barbare. Toi, t'avais pris quoi? Moi, la première vidéo qu'on a faite, j'ai pris Sorcier. Mais mon personnage que j'ai, moi, c'est Chasseur de démons. Ok. Alors, le Barbare avance une année. Attaque sur ses ennemis. C'est ça avec toi? Ouais. Ah, c'est un personnage à distance, non? Ouais. Il tire pas au corps à corps? Si, il a quelques trucs au corps à corps, mais... Ok. Moine, c'est des sorts, non? Moine, c'est des petits coups. Fétiche. Après, Barbare, je pense que tout le monde prend Barbare. Enfin, ouais. Ou Chasseur de démons. Je pense qu'il y en a peu qui utilisent ça. Comment ça? Bah, je vais prendre. Allez, Barbare. Je vais appeler Drawing, quoi. Ouais. Hop, voilà. Et ça va être à toi. Donc, c'est bon, on a réussi à lancer la manette de Dr. Buggy. Donc, hop, Dr. L, voilà, il a pris le chasseur de démons. Et hop. Prends la enfant, vas-y, lâche. Vas-y. C'est bon. C'est le chasseur des monstres, hein? Ouais. Ok. Bon, bah, c'est parti. On va prendre moyenne. Moyen, ouais. Ok, c'est parti. Tu vas bien nous aider, du coup, si tu prends du mieux en jeu. Ouais. Et je crois qu'il y a des trucs qui changent un peu de l'opus PS3. Et déjà, il y a des trucs aléatoires aussi, je crois. Ouais, peut-être. J'ai vu ça. Tu l'as bien aimé le jeu à faire? T'avais pas fait d'autres Diablo avant? Non, c'était le premier de Diablo que je testais, c'était vraiment un bon jeu. Le 2 aussi, il est bien. Mais le 1, il est bien là. Des combats ineptes dont je rêvais autrefois. Je marche seul, solitaire, pendant que ma tribu maudit les dieux qui nous ont abandonnés.
Nos foyers sont en ruine. Mais je ne fléchis pas. Il y a 6 jours, l'étoile est tombée sur la ville de Tristram. Les morts se sont relevés dans son sillage. Quel est ce maléfice? Serait-ce enfin, après de si longues années, un ennemi digne de ma lame? Mec, sans prétention. Ouais. Bon, ça va, j'ai pas trop mal fait. Il est mieux fait sur PC, je pense, non? Ouais, c'est pareil, mais ouais, c'est fait. Parce que je crois que dans... Attends, j'aurai juste les options. Mode personnalisable. C'est les compétences au bouton de votre choix. Vie des joueurs. On monte la vie. C'est mieux. Ouais. La barre de vie. Non. C'est pareil. Bah, tu sais pas quand tu crèves, quoi. Si. Comment tu sais? Vas-y, enlève ça. Enlève. Attends, deux secondes. Deux secondes. Ouais, vas-y, hein. Les personnages. Ouais, ça, c'est classe. Point de vie rendu. C'est quoi ça? Media critique. Des vidéos, zone de challenge. Dialogue de quête, ça je mets un dialogue. Hop. Voilà. Bon bah voilà. Alors, c'est bien classe, Dravinic Doctorel. Si je me rappelle bien, la barre rouge, là comme ça, là, en haut, en ouais. Horizontale, c'est ta barre de vie. Ça là. La barre rouge, ouais. Les petits points là. C'est quand on a rempli une, tu passes au niveau 2. Quand t'as rempli toute une barre, ouais, okay. Quand t'as rempli les 5, tu passes au niveau 2. Et ça, c'est tes pouvoirs magiques. Ok. Ça, c'est des... En fait, ça te mettra des petites attaques sur le côté. Et ça va pas... il y aura pas de tuto? Je sais pas s'il y aura des tutos. Et qu'est-ce que tu dis qui met qui a des pouvoirs magiques? C'est dès que tu augmentes un niveau, en fait, t'auras des trucs. Ils vont montrer ça tout à l'heure, je pense. Et dès que tu augmentes de niveau, en fait, ils vont te donner des attaques spéciales avec différentes touches. Ok. Ok, c'est X pour taper. Culé. Ok, donc là, c'est truc. C'est bizarre, R2 aussi, c'est une touche d'attaque. Oh, ça marche. R2, c'est... Ah, je sais, mais moi, il n'y a que... Ah oui, il y a X. Et regarde, moi quand j'appuie sur X, ça fait ça, un truc de feu à moitié. Quand j'appuie sur R2, ça fait juste un petit coup. Ouais, pareil, ça me fait une grosse flèche. Moi, ça me fait pas ça. Sur PC, ça fait pas ça. Et le truc que tu m'as dit, c'est quoi le truc qui descend là en bas à gauche? Là, c'est tes pouvoirs, ça. Ok. C'est quand tu auras tes attaques spéciales. Alors, j'ai voyagé jusqu'ici pour trouver l'étoile. Elle est tombée sur la vieille cathédrale, Léa, la seule qui a servi de récupérer. Alors. Ok. Par contre, j'ai trop l'impression de taper avec Karim, en fait, c'est X, c'est bien. Et après, plus on va augmenter de niveau, plus on va avoir d'attaque, c'est ça? Ouais, voilà. Plus tu auras d'attaque secondaire. Sur PC, en fait. T'as les attaques, ça se fait avec les deux clics du truc, de la souris. Et après, t'as des petites attaques secondaires avec F3, F2, F1, F4. Ok. Faut lui parler ou quoi? Je sais pas. Non. Hop, on continue. Et là, ça fait quoi sur nous? Là, c'est des effets que tu peux mettre. Ok. Bon, on s'en fout. Des épées, des armes, ouais, comme ça. Bah, parfois, ça aide bien quand tu joues tout seul et que t'as des bonnes armes et que tu veux pas les jeter, quoi, tu les mets là-dedans. Ok. Attends, je découvre un parce que je suis un peu paumé. Là, tu connais parce que tu savais pas où c'était, enfin au départ tu savais pas où elle était Léa. Non. Ouais, c'est ça.
Bah en fait, chaque personnage à qui tu dois parler, il y a un gros point d'exclamation dessus. Ah ok. Juste au-dessus. Alors, tuer les morts vivants. Putain, c'est X, c'est vrai, putain. Attends, je vais juste mettre carré. C'était où? Ah ouais, je vois. Non, c'était quoi? Mode personnalisé. Ah ouais. Ah ouais. Comment ça marche? Ça, ah, c'est des pouvoirs, ça. Ok. Bon, attends, on va juste enlever le truc drôle. Là. Hop. Ah mais en fait, R2 avant, je pense que R2... Oh, regarde, c'est marqué, là. Là, pour faire les petits coups normaux, ça, normaux. X. Et R2, c'est ton pouvoir spécial. Ouais, pour toi. Ouais, mais pour toi aussi. R2. Ok, d'accord. Ouais, j'ai compris. Et moi, et on peut pas mettre... Moi, j'ai envie... Imagine, j'ai envie de mettre carré, là. On peut pas. Par contre, là, je sais pas. Elle est en bas, je pense. C'est bien ça, au communicard dynamique. Je pense que ça devrait être mieux. Allez, go! On continue. Faut bien prendre un jeu. Ouais, tu ramasses tout ce que tu trouves. Et tu peux essayer de péter des trucs, et dès qu'il y a des trucs qui tombent, tu essaies de les ramasser. C'est le but? Non, c'est, non, bon, c'est pour du gagner du fric. Ouais, ouais. Parle au capitaine Rumford. C'est le devant. Genre les roulades. En fait, c'est moitié des zombies, non? Ouais. C'est des morts vivants. Ouais. Mais il y a plein de monstres. Hein. Ah ouais? Tu vas avoir des squelettes, tu vas avoir plein de trucs comme ça. Ah oui, je me rappelle des squelettes. Hein. N'hésite pas à utiliser aussi R2. Ouais. Il y a un mec qui m'aide là. Ouais, c'est normal, il est avec nous, c'est le capitaine. Ah oui, ok. Mais j'ai trouvé une écharpe. Jusqu'au... Je sais pas si ça va nous être utile, l'écharpe, mais. Ouais, si, ça te fait gagner en puissance parfois. Ouais. C'est. Et, faut le... Et pour utiliser, c'est. Où au fait, je crois. Non, ce sera pour les attaques secondaires. Ah, peut-être en faisant select. Ah, voilà. Je me rappelle. Ça, c'est ce que j'ai. Ça doit être là. Non, j'ai que ça. C'est bizarre, pourtant, ils m'ont dit ramasser l'écharpe, je fais ça. Ouais, bon, tant pis. Ah, point de sauvegarde. Puissant. C'est bien parce que toi, vu que t'es un personnage de distance, tu me couvres. Hein. Et moi, je le tue quoi. Oh. Ouais. Je vais me raconter, là. C'est quoi le truc de lave là, à moitié? Oh. C'est de la vomi. Ouais. Il y en a, c'est leur spécialité, ils vomissent comme ça. Ouais, les petits trucs rouges, ça nous redonne de la vie à tous les deux. Ok. J'ai essayé de démonter. Ok. J'adore.
intervient dans un cave. C'est quoi toi ton attaque spéciale? C'est je balance un couteau. Ok. Il y a des attaques, à chaque fois les attaques sont de plus en plus puissantes. C'est quoi ça, c'est un chat? Ça c'est facile à buter. Ouais, ça se voit. Et L1 c'est pour redonner de la vie? C'est des potions, c'est ça? Ouais, parfois t'as des potions, mais t'as des petits trucs aussi. T'as les petits trucs rouges aussi sur les que tu ramasses quand tu bats des ennemis. Ouais, ok. Merde, j'en ai pris une, je crois. J'aurais pas dû en prendre. D'accord. Une potion. Là, je sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas quoi c'est. À marquer, peut-être. Hop. C'est mieux qu'il n'y ait pas de carte. Mais on peut l'afficher. Hein. Ouais, c'est mieux avec la carte. Il y avait écrit. Attends, je mets quoi? Elle doit être où la carte? Bah, elle est là. En plein milieu, non? Ah ouais, c'est bon. Non, je l'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe. Bah, c'est parce que en fait, j'avais mis à gauche. Sur PC, elle était sur le côté, donc j'ai pas vu. Ok. Je vais pas regarder au milieu. Donc, comme ça, elle est bien. Vas-y. C'est bientôt fini ou pas la quête? Je crois non. Parce qu'on va bientôt arrêter, on est bientôt à 20 minutes. Tu veux qu'on la finisse vite? Non, on va finir dans le prochain épisode. Ok. Au pire. La forme, c'est le fric. Bocle. Pour équiper directement. Ah, ok. Pour équiper directement, t'appuies. Ok. Ça tient toujours. Ah, t'as atteint le niveau 3. Non, moi aussi. On atteint en même temps le niveau. Ouais, j'ai l'impression. Bon, on va se laisser là, les amis. On est à 20 minutes de vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode de prochainement. Salut tout le monde et à bientôt.